Je veux faire ce live. Je veux m'adresser un peu aux haineux, en fait. Les personnes, toutes les personnes qui sont haineux. Ceux qui sont du RPG et qui ont la haine contre nous, les haineux. Ceux qui sont de partout, en fait. Toutes les personnes qui sont haineux contre les haineux. Cette vidéo est pour vous, mes amours. Mes amours, là, vous n'avez rien à voir. Mais les personnes haineuses, là, hein, qui soient du RPG, qui soient à tous nos ennemis en amour. Les personnes qui ne digèrent pas les nielleux, mon frère et moi, cette vidéo est pour vous. Écoutez-moi très bien. D'abord, je dis, mon frère Ousmane Nielleux et moi, on soutient ces loups dans l'impignan. On soutient ce loup dans les... Vous êtes fâchés parce qu'on le soutient? Les certains soient déjà RPGistes parce que j'ai vu vos posts. Vous pensez que c'est à cause de vous que moi je suis dans le RPG? Vous les soi-disant RPGistes frustrés là, vous pensez que nous les Néloï, on est dans le RPG à cause de vous pour vous faire vous plaisir? Détrompez-vous. On s'en fout de vous. Moi, je suis dans le RPG à cause du président, père fondateur du parti, qui est Alpha Condé. Le premier jour que moi, j'ai adhéré au RPG Arc-en-Ciel, il m'a dit quelque chose. Mais je n'avais pas compris. C'est après que j'ai compris pourquoi il m'avait dit ça. Alpha Condé m'a dit quoi? Il dit, Fatou, regarde-moi dans le RPG. C'est moi que tu dois regarder. À l'époque, il était le président de la République. Il dit, je suis le président de la République. Et je suis le président du RPG Arc-en-Ciel. Donc, c'est moi que tu dois regarder. Alors, si ce regard, moi, sur ce tombe, je regarde. Ce n'est pas à cause de vous, les petites personnes, soi-disant militants frustrés du RPG. Moi, j'en ai rien à foutre de vos avis. Hein, qu'on veut retourner dans l'IFDG. Ah, ils veulent retourner dans l'IFDG. Que nous, on est à la recherche de la visibilité. Nous, à la recherche de visibilité. Nous, les mielleux. Si on ne parle pas de nous, vous parlez de qui? Par contre, c'est nous le buzz des Guinéens. Il faut parler des mielleux pour que les gens te regardent. Tu fais un live tout à l'heure, tu es à 20 personnes, tu es à 7 personnes. Pour qu'on te regarde là, tu parles des Nielui, les gens vont rester parce qu'ils veulent savoir qu'est-ce que tu dis réellement des Nielui. Et quand tu dis vrai sur nous, ils vont se rendre compte. Et quand tu dis aussi faux sur nous, tu es là en train de mentir, nous diffamer, ils vont se rendre compte que ce que tu dis que c'est faux. C'est pas tout le monde qui nous connaisse, hein? Mais les intelligents sur les réseaux sociaux, ils peuvent nous décrire un peu qui sont les Nielui. Nous, on n'est pas à la recherche de visibilité. Les frustrés. Nous, c'est nous votre visibilité en fait. Quand tu entends visibilité des Guinéens, c'est nous les Nielui. Il faut parler de Nielui. Il faut parler des Nielui. Hmm? Pour que on te regarde. Ou pour que. À un moment donné, quand même, il faut qu'on se respecte. Ne parlez pas parce que vos bouches là, quand vous parlez vos bouches là, c'est gratuit. Mais n'oubliez pas que vos paroles là, même vos paroles là, n'est plus gratuit. Hein. À moins que les personnes qui sont, comment je vais dire, dans les foyers en Europe, hein, qui sont dans les foyers en Europe, il y a le wifi gratuit. Peut-être il y a que eux qui parlent bouche gratuit et puis internet gratuit. Nous ici même, le wifi là, tu payes. Tu payes. Et je pense en Guinée aussi, la connexion, c'est pas gratuit. C'est pas du tout gratuit. Donc si nous, on soutient ces loups dans les... Pourquoi vous avez mal? Pourquoi vous dites que on a soutenu ces loups dans les... On veut retourner. Vous pensez qu'on doit quelque chose à quelqu'un? Vous pensez que vous êtes notre père biologique qui est décédé? Nous, on n'a pas de compte à rendre à quelqu'un sur cette terre. Nous, on ne... Ce que on ne croit qu'en Dieu... On n'a peur que d'Allah. On a des personnes qu'on aime, qu'on respecte, qu'on considère sincèrement. À cause d'eux, il y a des choses pour ne pas qu'ils soient dessus parce que c'est des personnes qui nous aiment.
qui nous portent vraiment dans leur cœur. Donc pour ne pas les vexer et qu'ils soient dessus de nous, il y a ces choses, on ne se permet plus de le faire. Sinon, on s'en fout, hein? On n'a pas de compte à rendre à quelqu'un. On ne travaille pas pour quelqu'un. Moi, Fatoumé Louis, je ne travaille pas pour quelqu'un. Donc vous, certains RPGistes frustrés, là, si vous êtes fâchés, si vous avez une haine contre Selou Dalé, gérez votre haine. Selou et moi, là, le problème qui était entre nous, il n'y avait pas de politique dedans. C'était personnel. C'était un problème familial. C'est parce qu'on a perdu notre papa qu'il n'est pas parti. Après, je me suis rebellée contre lui. Et j'ai prouvé au monde entier que oui, je pouvais sauver l'honneur de mon père. Donc notre guerre là, c'est privé, c'est personnel. On a enterré ça. C'est fini, c'est fini. C'était pas politique, hein. Et j'ai dit ça. Je ne faisais pas la guerre à Selou Dalé à cause de Alpha Condé. Je ne faisais pas la guerre à Selou Dalé à cause du RPG. Je ne faisais pas la guerre à Selou Dalé à cause de politique. Je faisais la guerre à Selou Dalé. À cause de quoi? À cause de mon père. Mon propre père. C'est quoi ça? iPhone maintenant, c'est grave, hein? À cause de mon père biologique. Donc c'est fini, c'est fini. Pendant combien d'années? De 2019. Le 1er janvier 2019. Jusqu'à mars 2022, on a enterré notre hache de guerre. Il n'y a plus de haine, il n'y a plus de guerre entre Selou Dalé et moi. Il n'y a plus de haine. Donc ne profitez pas de vos haines, de vos trucs politiques là. Vous prenez ça, vous mettez sur moi. Je ne suis pas dedans. Je ne travaille pas pour vous. Oui, oui, les ethnos comme ça, là, je ne vais même pas te répondre, je te bloque, tu peux plus truquer. Si vous avez une haine contre Selou Dalé, gérez vos haines, épargnez-moi, d'accord? Je dis, je soutiens Selou Dalé. Si ça fait mal à quelqu'un, prenez de l'acide et puis buvez. Venez activer un live pour montrer au monde entier que le fait que Fatou Nielouy à soutenir Selou Dalé Diallo, le président de l'IFDG. On n'a pas aimé. Donc j'ai pris l'acide, j'ai bu. Là, on va comprendre que, ouais, il y a eu quelqu'un. Sinon, le cas contraire, on s'en fout. Moi, je m'en fous. Je l'ai soutenu, Selou. Je le soutiens. Il a tout mon soutien. Vous, vous pouvez venir aujourd'hui. Quand on était en palavre ici, vous avez dit quoi? Que j'ai menti sur Selou Dalé. Ah, Fatoumé l'a accusé, Selou Dalé. Fatoumé l'a, elle ment. Alors, je mens sur Selou. Tout ce que j'ai dit sur Selou, c'était du mensonge. C'était du mensonge. Oui, je suis amoureuse de Selou. C'est mon bébé, toi qui as écrit. Il est où le problème? C'est un être humain, Selou, c'est un beau gosse. Et si Dieu lui donne le pouvoir, il est le futur président. Qui sait? Demain ou après-demain, hein? Si Dieu a voulu que Selou devienne président, il va gouverner le pays. Et ceux qui sont vagés vont aussi quitter le pays. Vous allez sortir, quitter, vous pouvez aller vous exiler ailleurs le temps qu'il finisse ces deux mandats. Donc je m'en fous de vos dires. Quand j'étais là sur Selou Dalé, 2019, c'était pas aussi trop, moi j'étais pas sur lui. Mais disons, quand ils ont arrêté Nielouy, mon frère, 2022, j'étais là sur Selou Dalé, matin, midi, soir. Je l'ai tellement attaqué, insulté, touché à sa dignité, dire des choses sincèrement. Vous avez dit quoi? Que je l'accusais que c'était faux. Pourquoi aujourd'hui vous revenez dire que Fatou avait dit ça? Moi, je n'ai rien dit. Tout ce que j'ai dit là, c'était faux. J'ai menti sur Selou Dalé. Vous pouvez venir aujourd'hui prendre vos haines, vos politiques, reverser ça sur moi. Vous étiez où quand on était en palabre? Vous étiez où
quand j'avais besoin de soutien, des hypocrites comme ça là. Tout ce que j'ai dit sur ce loup, c'est ma bouche là qui était venue ici dire quoi. Tout ce que j'ai dit dans le passé là. Alors c'est la même bouche qui vient vous dire que tout ce que j'ai dit sur ce loup, je l'ai accusé. J'ai menti sur lui. C'est pas vrai. C'était pas vrai. J'ai parlé parce que j'avais la haine. Oui. Ngaye, Fatunyelu. J'ai bien fait. Je le soutiens. C'est Luda Lendjalo à mon soutien. On avait un problème, on a fini avec ça. Il n'y a plus de haine, il n'y a plus de guerre. Devant le monde entier ici, il a désisté à toutes ses plaintes. Sa famille a désisté à leurs plaintes. Grâce à qui? Grâce à papa, maître Vérité. Grâce à Ansou Damaro. Grâce à Alpha Condé qui m'a dit récemment, même récemment, qu'est-ce qu'il me dit? Il dit laisse celui l'IFDG. Il m'a dit tant que toi tu es sur celui l'IFDG, même si le parti IFDG-RPG fait la paix, quand vous l'aignez lui, vous êtes en palabre avec celui d'Alain. Ça ne va pas marcher. Même si tout RPG est en palabre avec l'IFDG, mais quand vous l'aignez lui et l'IFDG, vous êtes en paix, il y aura la paix. Laisse-le. C'est qui? J'ai qui dans le RPG à part le président Alpha Condé? J'ai qui ici, c'est pas Alpha? Vous les militants frustrés là, depuis Alpha est allé en Turquie, il a appelé qui? Alpha Condé parle avec toutes les personnes qui sont importantes pour lui. Moi, il parle avec moi parce que je suis importante. Il parle avec moi parce qu'il sait que, ouais, elle vaut quelque chose. C'est une militante, elle est sincère. Elle n'est pas dans aide-moi à détester. Même si moi, son papa Alpha Condé, je suis en mal, en palabre avec quelqu'un. Si elle ne cherche pas à nous réconcilier, elle ne va pas se mettre dans palabre là. Donc, elle ne se mêle pas dans des palabres qui ne la concernent pas. Alpha est au courant de ça, il sait ça déjà, il me connaît pour ça. Donc vous les papatos, les frustrés, les haineux depuis le temps, depuis qu'on a adhéré au RPG, il y a des gens ici, il y a certains frustrés RPGistes, vous avez trop mal de fait que nous sommes toujours dans le RPG. Parce que ce n'était pas ça, votre vœu. Pour vous, quand Alpha va partir, Mamadi va venir, nous on allait revenir, dire ah nous ok, voilà, et puis c'est fini, on n'est plus du RPG. Parce que dans vos têtes que... Depuis au début, ah, les gens là, c'est des espions, ils ne sont pas dans le RPG, c'est pas sincère. Maintenant, vous avez vu, vous qui avez dit ça, les gens là, c'est des lignes, c'est des espions dans le RPG. Ils sont venus espionner RPG pour IFDG, ils ne sont pas sincères. C'est nous là qui sommes restés. C'est vous les soi-disant fidèles, papato fidèles là. C'est vous qui êtes partis soutenir Mamadi Doumbouya. Mamadi qui a humilié Alpha Condé. Mamadi qui a rabaissé Alpha Condé. Mamadi qui a pris Alpha comme... Il a fait de Alpha un coliche. Mais lui, vous le soutenez parce que tout simplement, il est malinqué, il est votre parent, certains d'entre vous. Parce que je sais, beaucoup d'entre vous, ceux qui nous attaquent là, c'est certains RPGistes et qui sont de la communauté malinqué. Oui. Ah oui. On a bien fait. Nous, on est du RPG. Ça vous fait mal? Parce qu'on est du RPG. Nous, on n'était pas là parce qu'il y avait ça. Hein? Moi, j'ai dit, je suis RPGiste. Je suis RPGiste et je suis fière. Et à cause de nous, les Nielleux, là, vous ne pouvez pas dire que les Peuls, c'est des ethnos. Ou que les Peuls sont comme ça ou comme ça. Parce que nous, on est Peuls et très fiers d'être Peuls. Mais on est dans un parti qui n'est pas, dont le président n'est pas Peuls. Alpha Condé, il est malinqué. Le RPG, 80% du RPG, c'est les malinqués. C'est comme l'IFDG. Tous les partis politiques en Guinée, les 80% des militants sont de même ethnie que le président du parti. RPG, 80% du RPG, là, arc-en-ciel. 80% des militants, c'est des malinqués. C'est les 20%, nous autres, là, qui sont mixés, sous-sous, forestiers, etc. C'est la même chose que l'IFDG. Donc c'est pareil, tous les partis en Guinée. Qu'est-ce que vous avez à nous dire?
Parce qu'on est toujours du RPG, ça vous fait mal. Alpha Condé est vivant. Je suis la première personne qui est sortie sur les réseaux pour vous dire que, écoutez, Alpha va parler. Alpha va s'adresser aux gens. Alpha va bien. C'est à moi de donner ces informations, de venir dire aux gens qu'ils se portent bien. Alpha a commencé à me contacter. Il était à l'époque, il n'était même pas sorti. Il écrivait, il donnait aux personnes qui venaient. Je ne veux pas trop parce que voilà, j'ai pas envie de créer des problèmes à certaines personnes. Surtout, ils sont en Guinée. Donc, Alpha est là. On parle. Il parle avec toutes les personnes qui considèrent. Vous autres, là, vous avez milité. Et là, là, il vous connaît même pas. Il s'en fout de vous. Si vous êtes des militants, il ne connaît même pas ça. Donc, moi, je ne vous considère pas, je ne vous calcule pas. Du moment où le chef de l'État, hein, parce qu'il est tout, moi, en tout cas, dans ma tête, Alpha est toujours le président. Jusqu'à preuve de contraire. Son pouvoir a été séquestré par, voilà, voilà, oui, je vais mesurer mes mots. Je vais mesurer mes mots parce que j'ai mon frère aussi qui est de l'autre côté. Je vais venir traiter Mamadi de quelque chose ici, là. Après, voilà, il va dire, tu vois, voilà. Donc moi, je sais faire les parts des choses. Moi, quand je t'aime, quand je te considère, je te respecte. Je sais comment me comporter envers les personnes qui m'aiment. Lui, il dit qu'il aime quand je suis fâchée. Ah bon? Laisse tomber, mon frère. Je ne vais pas me fâcher. Alors, les frustrés du RPG. On a bien fait, on a soutenu Selodalin. Même Alpha Condé le soutient dans cette situation. Parce que vous n'avez pas l'information, c'est tout. Alpha Condé le soutient, il est de tout cœur avec lui. Tout le RPG, je ne parle pas des ethno, je ne parle pas des ethno-RPGistes là. Aujourd'hui, qui veut attaquer le et IFDG et Selou pour être vu et aimé par CNRD, mais les vrais RPGistes qui ne sont pas ethno là, qui ne sont pas frustrés là, ils sont avec leur président Alpha Condé. Alpha Condé soutient ses loups dans cette situation. Donc moi, Fatou, je le soutiens. Je soutiens ses loups dans l'air. Niel et mon petit frère le soutient. Si vous êtes fâché, allez-y boire de l'acide. J'ai compris votre jouet depuis. Et là, vous allez avoir mal. Pourquoi? Si vous pensez que moi, je vais venir me rabaisser. Moi, s'il y a une chose que je regrette dans ma vie, c'est quand j'ai accepté d'être une petite personne comme vous dans le passé. Venir, en fait, insulter sur les réseaux. Est-ce que vous savez combien de fois, quand la femme, elle insulte, elle n'a pas de respect aux yeux des personnes. Est-ce que vous savez ça? Vous savez c'est quoi une femme classe? C'est une femme qui sait ce qu'elle veut. C'est une femme qui n'insulte pas. C'est une femme qui se préoccupe de comment est-ce que mes enfants, surtout quand on est mère, comment est-ce que je vais chercher à éduquer mes enfants? Comment est-ce que je vais chercher à mettre des trucs, des plans pour mes enfants? On ne sait jamais, je peux mourir aujourd'hui, je peux mourir demain. Et on est dans un monde aujourd'hui, même nos frères et sœurs là, c'est pas parce qu'après c'est un refus. Mais quand eux-mêmes, ils ont des enfants en fait, ils ont des charges, est-ce qu'ils pourront prendre tes enfants en charge? Donc c'est comment analyser, même demain je peux mourir, qu'est-ce que je dois mettre en place pour mes enfants? C'est ça une femme respectueuse, c'est ça une femme responsable, c'est ça une femme classe. Surtout quand on est mère. Donc moi, là où je suis aujourd'hui, quand la main garde de redevenir une petite personne, comme je l'ai été dans un an passé, je sais insulter, hein, vous le savez. Avant, je le disais sur les réseaux. Pendant un an, je dis arrêtez, je sais insulter. Après, j'ai montré aux gens
Déjà aujourd'hui, quand tu dis de Fatou Niel, tu dis Fatou Niel, on dit, ah, moi, je l'aime trop, elle est trop belle, elle est trop classe, mais elle insulte. C'est ça, les gens n'aiment pas chez moi. Mais imaginez aujourd'hui, quand moi, je n'insulte pas, qu'est-ce qu'ils vont dire? Et après, ils vont voir des gens s'acharner contre moi, je ne dis rien. Les gens vont dire, eh, Fatou Niel a changé. Tu vois, on l'insulte, mais elle a changé, hein. Tu vois, elle ne répond plus. On ne va pas dire qu'elle n'a pas répondu parce qu'elle a peur. Non, je ne réponds pas parce que j'ai de la classe, parce que je veux vraiment être cette femme indépendante. Déjà, je suis une femme indépendante, mais une femme extraordinaire, une femme que tout, en fait, que quand tout le monde va me voir, ils ont l'estime, quoi. Ils vont me regarder voir. Ah non, sincèrement, tu vois, avec tout ce qu'elle subit, avec tout ce qu'elle traverse, mais tu vois, là, là, elle a vraiment changé. Oh, elle n'insulte plus. Ah, tu as vu? On l'a insulté 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Elle n'a plus répondu. C'est ça, en fait. Donc, le reste, là, j'en ai rien à foutre. Si c'est insulté, je peux le faire. Mais quand la mangarde, être encore une petite personne et tout, je m'en fous. Parce que je vais vous dire, souvent, les personnes qui parlent de moi, c'est les fans, mais ils sont refoulés. En fait, les gens là m'aiment tellement qu'ils n'ont pas eu la chance qu'ils ont voulu avec moi. Être proche d'eux, parler avec eux au téléphone, communiquer et tout. J'ai fait des erreurs dans le passé. Échanger avec des gens qui m'ont insulté. Mais vous savez ce qui a fait ça? Je vous jure, je ne regarde pas quand on m'insulte. Donc, il y a des gens même qui m'ont insulté dans le passé. Je n'étais même pas au courant. Et après, sur TikTok, je suis venue, en fait, je me suis mixée avec eux. Il y a eu des contacts entre nous et tout, machin. Je pense que c'est là que les gens se sont dit, ah, tu sais, pour être en contact avec Fatou Niel, il faut l'insulter. Ça, c'était avant. Je ne savais même pas aussi que les gens là m'ont insulté. Là, là, toute personne qui m'insulte, si à l'au-delà, les gens vont échanger, on va échanger là-bas. Moi, insultez-moi 10 ans, 20 ans. Tant que vous n'êtes pas ça. Tant que vous n'êtes pas ça, là. Tant que moi, là. Vous avez vu ça? Tant que vous n'êtes pas ça. Ça. Les dollars, là. Tant que vous n'êtes pas ça. Hein? Tant que vous n'êtes pas ça, là. Ça, là. Tant que vous n'êtes pas ça. Ça, ça, tant que vous n'êtes pas ça, tant que vous n'êtes pas ça, j'en ai rien à foutre. C'est ce qui m'intéresse, l'argent. C'est quand l'argent là va me faire la guerre, je vais pleurer. C'est quand l'argent là disparaît dans ma vie, je vais pleurer. C'est quand l'argent là va me bouder que je vais me dire, mais attends, pourquoi? Mais tant que vous n'êtes pas ça, 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 je dis, tant que vous n'êtes pas ça, 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 hein? Tant que vous n'êtes pas ça, je dis bien là, hein? Tant que vous n'êtes pas ça, tant que vous n'êtes pas ça, ça, ça là, ça là, vous n'êtes pas ça. Moi ici, même les 20 dollars, je n'aime pas. C'est les 100 dollars, 50 dollars. Tant que vous n'êtes pas l'argent, j'en ai rien à foutre de quand. Je ne pense même pas à vous. C'est ce qui m'intéresse. Donc, parler, parler, j'en ai rien à foutre. Moi, j'ai dépassé ce stade. Je ne suis pas une blogueuse, je ne suis pas une influenceuse. Je parle politique. Je suis une militante engagée du RPG Arc-en-Ciel. Je n'ai plus la haine contre celui de l'IFDG. Dans le passé, j'avais la haine contre celui d'Arc-en-Ciel. On a enterré. Moi, je suis issue d'une famille musulmane.
Je suis issu d'une famille côté paternel musulmane, peul. Côté maternel, la lignée du prophète Mohammed, paix soit sur lui. J'ai pas la place pour la haine. J'ai eu la haine récemment, un an passé, deux ans contre ce loup-là. C'était pas moi. Ceux qui me connaissent savent que je suis pas cette personne en fait. La Fatou que eux ils connaissent là, c'est la maman des pauvres. C'est celle qui partage. C'est celle que après on te fait tout, tu dis non, laisse tomber, quoi, laisse tomber, laisse tomber. C'est cette Fatou là. Donc je n'ai pas de haine avec ces loups, je n'ai pas de problème avec ces loups. Que personne ne prenne pas vos haines, vos rages, la haine que vous avez politiquement, vous reversez, vous ramenez ça sur moi. Dans le passé, quand je faisais mon combat contre celui-ci, j'étais toute seule. Je l'ai fait avec mon petit frère. Mon frère Mielo est allé en prison. J'étais toute seule sur les réseaux. Je me suis défendue seule ici. Toute seule. Donc, j'en ai rien à foutre de aujourd'hui. J'ai menti sur ce loup d'Alain. C'est moi, Fatou Nielo. Je t'ai assis, non? Est-ce que j'étais venue avec le Coran pour parler? Est-ce que j'avais pris le Coran pour jurer ici, pour dire que c'est loup m'avait ça, c'est loup m'avait ça? Je t'ai juste venu allumer mon téléphone pour parler, non? Alors, j'allume aussi mon téléphone pour dire que je dis j'ai menti sur ce loup d'Alain. Tout ce que j'ai dit, c'était pas vrai. Il est où votre problème? Fatou Nielo, allez-y demander à vos mères. C'est vos mamans qui étaient là-bas, pas moi. Hein? Voilà. Donc, vos politiques là, levez. C'est ça. Ça vous fait mal le fait que les gens ont dit que la vidéo de Celo Dalé, c'est montage. Mais tout est possible en Guinée. Surtout contre Celo Dalé. C'est tellement possible les choses. Parce que la haine que certaines personnes ont eue contre Celo Dalé, je comprends certaines personnes parce que aujourd'hui, Il y a des gens qui n'aiment pas ces loups d'Alain, qui sont contre ces loups d'Alain, qui se font passer des militants de ces loups d'Alain et de l'IFDG, qui parlent, qui attaquent les autres communautés, qui insultent les autres communautés, qui insultent les gens. Maintenant, les gens vont se révolter parce qu'ils sont bas à Bari, Diallo, So, et pour les autres ethniques, tous les bas sont de l'IFDG. Tous les Diallo sont de l'IFDG. Tous les Sos sont de l'IFDG. Et tous les Bari sont de l'IFDG. Pourtant, tel, c'est pas le cas. Moi, je suis Diallo. Je suis pas de l'IFDG. Je suis Peul. Je suis du RPG. Moi, je suis Peul. Je suis du RPG arc-en-ciel. Donc, c'est pas tous les Peuls qui sont de l'IFDG. C'est pas tous les Peuls qui s'assoient aujourd'hui sur les réseaux sociaux qui insultent au nom de Celo et de l'IFDG qui sont de l'IFDG et qui aiment Celo d'aller. Il y a des gens aujourd'hui qui sont contre Celo Dalé et son parti FDG. C'est eux qui sont là, vu qu'ils portent le même nom, en tout cas c'est le nom, les noms des peuls ils ont. Ils viennent, ils insultent les autres communautés, ils insultent les autres partis politiques. Et puis après, et ils prononcent le nom de Celo et de l'IFDG. Malheureusement, ce n'est pas tout le monde qui peut discriminer ça. Moi par exemple, je sais qu'aujourd'hui, bon, les temps passés là. Si je n'avais pas compris ça, j'allais venir ici insulter encore de nouveau Celo, IFDG, et puis voilà. Pourtant, ils ne sont pour rien. Parce que toute personne qui aime Celo Dalé, toute personne qui aime IFDG, ne va jamais s'attaquer à nous, les Nieloy. Parce qu'on a laissé Celo depuis. Quand on était sur Celo Dalé ici, on n'a pas vu les gens, surtout récemment, les personnes qui se disent des défenseurs de Celo là. Nous, on ne les connaissait pas. Ils étaient où quand moi, je m'attaquais à celui et à l'IFDG? Ce n'est pas parce qu'ils ont vu que maintenant, il y a la paix. Parce que je me rappelle, il y a eu des gens ici, le lendemain de mon pardon envers celui d'Alain, ils ont commencé, les gens-là ont commencé à m'insulter. Les personnes-là ont commencé à m'insulter. Parce qu'ils ne voulaient pas cette paix. Parce qu'ils se disent... Attends, si on va insulter Fatou Nielo tout à l'heure en prononçant le nom de Celo l'IFDG, elle va venir encore parce que tout le monde sait que quand moi tu m'insultes, je ne vais pas t'insulter. Je vais aller insulter Celo l'IFDG. Mais cette fois-ci, vous avez tapé poteau. On est en 2024. Vous qui nous insultez, nous les Nielo là,
pour l'amour de Dieu. Pour l'amour d'Allah. Continuez jusqu'en 2034. 10 ans. Ne vous reposez pas. On est en 2024. Insultez-nous jusqu'en 2034. 10 ans. Maintenant, après, vous allez aussi réfléchir, dire que, ah, est-ce qu'on va continuer? Ou bien, comme ça fait 10 ans aujourd'hui, on a insulté, est-ce qu'on va s'arrêter là? C'est ce qui m'intéresse, je vous dis. L'argent. Ce n'est pas vos injures, là. Ce n'est pas vos diffamations. Ce n'est pas vos dits. Moi, je suis une femme qui m'assume. Moi, quand je sors aujourd'hui, je rencontre les gens. Me disent, Fatonelle, comment tu vas? Tout le monde me connaît. Je ne me cache pas de quelqu'un. Je suis fière de ce que je suis. Donc, s'il vous plaît, je vous en prie, insultez-moi jusqu'en 2034, d'accord? Nous, les mieux, il ne faut pas s'arrêter là, hein, parce que vous avez tapé poteau. Si vous voulez que moi, je vous réponde, vous qui êtes là aujourd'hui en train de nous insulter, après ce que les gens me disent et tout, le jour où vous allez être président, vous là, vous, les insultologues, actuels insultologues là, vous voulez que je vous réponde? Vous voulez que moi, Nyeloué, nous, les Nyeloué, on active en live. Ousmane Nyeloué va venir monter sur mon live. Et puis, on vous insulte, on dit votre nom. Vous voulez ça? Vous voulez que nous, les Nyeloué, on fait un live, on parle de vous? C'est le succès-là que vous voulez? Je peux vous l'offrir, mais en condition que vous devenez président de la République de Guinée ou président d'un grand parti politique. Eh, Diallo, c'est ta maman. C'est ta maman, ce que tu dis ici, ce que tu as écrit là, c'est ta mère, c'est pas moi, c'était ta mère. C'était ta maman. Tu t'es trompé. Va demander à ta maman pour dire que c'est moi. Je dis, c'est moi, vous avez dit que j'ai dit oui, la première, oui. Parce que j'avais la rage. Quand la femme est fâchée, elle peut tout dire. Parce que j'avais la haine. Est-ce que j'avais pris le Coran pour gérer? C'est pas à l'époque. Vous m'avez cru à l'époque? Pourquoi à l'époque vous n'êtes pas sorti me soutenir? C'est maintenant où vous avez la haine, la politique, vous voulez revenir, Fatouniel-le. Alors j'ai menti sur ce loup d'Alem. J'ai menti sur ce loup d'Alem. C'est bon? J'ai menti sur ce loup. Tout ce que j'ai dit, ce que vous êtes en train de dire, ah, Fatouniel-le avait dit, tout ce que j'avais dit là. C'est parce que j'avais la rage contre ce loup d'Alain. C'est parce que j'avais la haine contre ce loup d'Alain. C'est parce que j'étais fâchée contre ce loup d'Alain que je suis allée dire tout ça. Là. Tout ce que j'ai dit, moi, Fatouille, le jeudi, j'ai menti sur ce loup d'Alain. C'est pas vrai. D'accord? Voilà. C'est ma même bouche là qui était sortie dire, non? Cette même bouche qui vous a dit là. Je reviens vous dire encore, je dis tout ce que j'avais dit contre ce loup, c'était pas vrai. Parce que j'étais fâchée contre lui, parce que j'avais la haine, parce que j'étais frustrée en fait au plus profond de mon cœur. Vous êtes d'accord maintenant? Ngaï Fatouniel-le, c'est aujourd'hui vous, vous allez venir parler. Après que moi j'ai enterré la rage de guerre. Après que moi je suis plus dans vos bêtes de palabres là. Vous n'êtes pas ça. L'argent, c'est ce qui m'intéresse. Vous avez vu ça? C'est ça qui m'intéresse. Ça là, ça là. Hein? C'est ça là qui m'intéresse. Ça là. Ça là. C'est ça qui m'intéresse. Ça, 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 ça là. Ça là. Ça, 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 ça là. Hein? C'est ce qui m'intéresse. Ok? Ça là. Ça là. Ça là. J'ai même pas le temps. Ça là. Ça. C'est ce qui m'intéresse. C'est pas vos conneries. C'est pas vos conneries, hein? Vous n'êtes rien. Vous n'avez rien, vous avez la haine, vous êtes frustré, vous galérez, vous n'avez même pas 1000 euros, vous n'avez même pas 1000 dollars, vous n'avez rien, rien du tout. Vous avez la haine, vous êtes frustré.
Je vais vous dire, avant Alpha Condé, moi, Fatounelo, je vivais. Avec Alpha Condé, je vis. Avant Alpha, je vivais. Avec Alpha, j'ai vécu. Je vivais, non? Après Alpha aussi, je vis. Et je vais vivre. Moi, je vais toujours dire Dieu merci Alpha Condé. Dieu merci et merci Alpha Condé. Je vous ai dit, on m'a insulté mère et père. Hein? Mais la façon dont j'étais insultée, là. À chaque fois, vous m'insultez, vous menacez, vous m'attaquez, là, le vieux faisait quelque chose de bon pour moi. Le jour où il y a eu l'investissement, là, je ne suis pas partie. Je suis sortie, j'ai pleuré. Vous savez, le vieux m'a demandé pardon avec quoi? Il y a des choses que je ne dis pas, je ne montrais pas dans le passé parce qu'il y avait trop de certains RPGistes frustrés. Il y avait beaucoup d'RPGistes frustrés. Donc quand là, je montrais les choses, ils allaient mourir. J'étais obligée de sortir pleurer. Moi, je connais la politique. Moi, si j'avais... La façon dont moi, Fatounelo, je suis intelligente, je suis smart. Si j'avais deux autres personnes que j'allais prendre, rajouter sur moi, nous trois, je pouvais revendre la Guinée. Tellement que je suis smart. Je sais ce que je veux dans ma vie. Je sais comment fonctionner. En fait, je connais la politique. Je suis née dedans, j'ai grandi dedans. Moi, je ne suis pas sur les réseaux pour me faire plaire à quelqu'un. Hein. Personne ne met le lait dans mon café. Dieu m'a béni. Il m'a béni. C'est Dieu qui a mis Baraka dans ma vie. Il m'a béni. Donc, si tu es fâché contre moi, I'm sorry, c'est pas moi. Tu ne dois pas te fâcher contre moi. Fâche-toi contre Dieu. Si tu es musulman, tu priais, tu dis non, Dieu, je ne prie plus. Parce que là, tu as béni Fatou, moi, je n'aime pas ça. Après le ramadan, quand ça vient, tu refuses de gêner. Et puis c'est ça. En tout cas, ce n'est pas moi. Je peux mourir tout de suite. Je peux mourir demain. Si Dieu m'a levé avec tout ce qui s'est passé, tous les problèmes que j'ai subis en Guinée, j'ai quitté la Guinée. Je suis revenue ici. J'étais ici. Vous avez dit que je n'ai pas de papier. Je suis allée en Guinée. J'ai quitté. Je suis revenue. Je suis là aujourd'hui avec mes deux enfants. On est trois ici. Je suis très heureuse. Très heureuse. Donc vos hypocrites là, vos hypocrisies là, vous les hypocrites là, les personnes frustrées et haineuses, je parle de tous les frustrés et haineux contre nous, les nielleux. Vous avez tapé poteau. Parce que je suis pas, je vais jamais, plus grand jamais, accepter de me rabaisser, être à votre niveau. Être à votre niveau, répondre à des gens, insulter des gens. Qu'Allah, tous les jours que je prie Dieu. Allah, je suis fière aujourd'hui, je suis contente de toi. Je suis tellement fière de la personne que je suis devenue. Aujourd'hui, plus rien ne me fait mal. Je ne vais jamais, parce que, en fait, il y a des personnes qui peuvent m'atteindre. Quelques-uns, les personnes que j'aime, que je porte dans mon cœur. Et Dieu merci, Dieu m'a entourée de très bonnes personnes. Même si on est, ils ne sont pas nombreux, mais sincèrement, ils sont adorables, les gens-là. C'est des personnes qui vont toujours me protéger. Protection avec eux à vie, je ne crains rien. Donc, je dirais toujours, Allah, Dieu merci. Vous autres-là, je ne vous calcule pas. Je ne vous considère pas. Et je sais une chose, vous ne me détestez pas non plus. Vous êtes des fans refoulés, en fait. Vous avez voulu être en contact avec moi. Non, Neva, j'en ai rien à foutre des petites personnes, en fait. Des gens qui ne s'assument pas, je ne suis pas dedans. Pour être avec Nielui, là, nous, les Nielui, tu dois t'assumer, tu dois être sûr de toi, tu dois savoir ce que tu veux, ce que tu veux dans la vie. Et quand tu es inutile et zéro, là, on n'en a rien à foutre. Vous qui voulez que je parle de vous, là, vous avez deux chances avec moi. Un, vous devenez président de la République. Je vais venir m'opposer en ce moment. Et vous êtes président. Soit président ou présidente. Là, oui. Et je viens, je dis, ouais. Je dis ton nom et puis voilà. Ou bien non, tu deviens un grand leader politique. Après le président élu, c'est toi. Là, en ce moment, je vais parler de vous.
Le cas échéant, je vous dis, s'il vous plaît, pour l'amour de Dieu, à cause de ce ramadan qui vient là, hein? Pour l'amour d'Allah, insultez-nous les mielleux jusqu'en 2034. Pardon, faites ça pour moi, s'il vous plaît. Et si je le dis, parce que j'ai juste envie de parler, que je ne vois pas le jour de demain. Si vos injures là me font quelque chose, qu'Allah reprend ma vie. Hé! Hey! Vos injures, si ben mari antibiotique musique ko be I don't know la bu ala do be yata ko pharmacie donc dun non non si mi wuji bay mi wuji du itani lan few ko hoireji mon dim mon wujadi ni hora nen kadi do no musse de ben si mi wuji do ni butta c'est vos injures que je suis en train de ça c'est mon médicament hoireji on ko le cancer no il en veut là, donc on est frustré, on a la goutte. On y est ni la gamme, éviter l'ambagne. C'est à cause de vos injures. Le jour où l'investiture de papa Alpha Condé, là, que donc nous, moi je t'ai pas invité là, hein? J'ai été insulté, les gens se sont moqués de moi pour me récompenser. Mon papa Alpha Condé, qu'est-ce qu'il a fait? Deux parcelles. C'est ce qu'il m'a donné. Je suis sortie, j'ai pleuré. Il est sorti. Allô? Enfin, il est sorti après. Quand il a fini. Allô? Fatou? Pourquoi tu ne m'as pas appelé? Pourquoi tu ne m'as pas appelé pour me dire que tu n'as pas eu la carte? Hein? Même hier, je t'ai appelé hier pour te demander, on a parlé. Pourquoi tu ne m'as pas dit? Je dis, papa, je ne vous ai pas dit parce que d'habitude, ce n'est pas vous qui avez l'habitude de me donner les cartes quand il y a des événements au RPG. C'est pourquoi je ne vous ai pas appelé, papa. Non, fallait me dire que tu n'avais pas reçu de carte. Hein? Mais attends, je vais te donner. Après, je dis, non, papa, pour tout ça, là, seulement, papa, je ne m'attendais pas à ça de vous. Papa, moi aussi, j'ai pleuré. Papa, je ne m'attendais pas à ça de vous. Papa Alpha Condé, je ne m'attendais pas à ça de vous. Regardez aujourd'hui ce qui se passe sur moi. Tout le monde, oui, on m'a parlé, les gens se moquent, ta. Je te reviens, papa a coupé le téléphone, bec. Il est allé dire aux gens, qui a fait ça? Pourquoi Fatou n'a pas? Il a crié, varié là-bas. Le lendemain, le vieux père m'appelle. Il dit, tu es où? Je dis, je suis chez moi. Il dit, viens au palais ici. Tu vas rencontrer monsieur Tel. Vous allez partir. Il va te donner des parcelles. Voilà, je veux même que aussi investiture va venir aussi et puis on ne m'invite pas. Là-bas, je ne vais même pas pleurer seulement, je vais me déshabiller. Parce que là, quand je me déshabille et puis je prends mes pieds, je monte, je fais des grimaces là. Voilà le... Exactement. Là, je sais que peut-être que le vieux va... c'est ça même. Là, je pense que s'il y aura aussi d'autres investitures là, et puis on ne m'invite pas là, peut-être là, c'est pas deux parcelles seulement que je vais gagner. Il va ouvrir la banque centrale. Il va me donner. Déjà, j'allais pleurer plus fort pour les 40 millions d'euros qui étaient là-bas. Là. Déjà, c'est ça, il allait me donner. Alors moi, vos injures là, Dieu lui a dit, vous l'avez insulté jusqu'à il a construit.
je travaille pas. Je suis aux États-Unis, je travaille pas. Je mange, je ne travaille pas. Je prends dans mon compte et puis je mange. Je vais 10 000, je vais sortir. Je vais 5 000, je vais sortir. Je vais 20 000, je vais sortir. Je vais 30 000, je vais sortir. Je vais 50 000, je vais sortir. Je vais 100 000, je vais sortir. Je vais faire sortir. Il est où votre petit quoi? Vous n'êtes pas à l'argent là. Ça là. On a un cas ici. Là, on a la monnaie. Hey! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Là, on dit là. Hein? Vous n'êtes pas ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On va compter tout. Hein? On n'a même pas le temps. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On va encore compter. Hein? Vous n'êtes pas l'argent. Là, on cale ici. Je vous dis que vous n'êtes pas l'argent. Vous n'êtes rien. Donc, laissez-nous respirer. On s'en fout de vous. On s'en fout. Insulté. Je vous ai dit, vos injures là, comme faut en moni. C'est des combis de Maudo. C'est là on voit que je suis l'enfant de vieux. Parce que ça, c'est mon médicament. Deux fois, quand, avant, au tout début, il y a deux ans, 2021 par exemple, quand j'entendais certaines personnes parler de moi, en 2021, sur Facebook, je me demandais, je dis, attends, ma maman a deux fatous, je sais, une seule, non, je pense que ma mère, avant je me disais, non, ma mère a deux fatous. Je pense que papa et maman, ils ont eu deux fatous. Parce que quand j'entends certaines personnes parler de moi, je me dis, non, non, c'est pas de moi on parle, c'est la fatou que ma maman a eu. Tellement, on va mettre musique de cellulaire et puis... En tout cas, moi, c'est grâce à Dieu, là, et à mon papa aujourd'hui, mashallah. Ici, aux États-Unis, je suis là, je ne travaille pas, je mange. Je suis qu'avec mes enfants, mes deux enfants et moi. Je vis bien, mashallah, alhamdulillah, rabbil alamin.